06 fois 2100. Tu peux faire ton portable, s'il te plaît. Je vais vous expliquer comment on a calculé la puissance de frottement réalisée par la lame. On est parti d'une indication de Jackson qui nous disait que la pression exercée sur une pierre par une seule lame était de 7 kg par centimètre carré. On sait aussi que l'épaisseur de la lame est de 2 à 3 mm, ce qu'on a arrondi à 0,25 cm. De plus, on sait que la longueur utile de la lame, c'est-à-dire la partie de la lame qui est sur la pierre, est de 2,50 m, c'est-à-dire 250 cm. On peut ainsi calculer la force exercée par la lame sur la pierre avec la formule qui dit que la force est égale à la pression fois la surface. La surface étant égale à sa longueur fois son épaisseur. Ainsi, on a sa surface qui est égale à 62,5 cm². On a donc F est égal à 7 fois 62,5, ce qui nous donne 437,5 kg, soit environ 440. Ensuite, on s'est intéressé au coefficient de frottement entre la lame et la pierre, et on a admis qu'il était entre 0,2 et 0,5. On a donc calculé une force minimale qui est de 0,2 fois la F qu'on a trouvée, c'est-à-dire de 875 N, et une force maximale qui est de 0,5 fois la force qu'on a trouvée, c'est-à-dire de 2200 N. Ensuite, pour trouver la puissance de frottement, on fait tout simplement la formule P égale à F fois V. On a donc dû trouver la vitesse de la lame. Pour cela, nous avons tout simplement compté par rapport à des vidéos qu'on a trouvées sur internet la vitesse moyenne d'une roue à eau. Et on a estimé que c'était de 10 tours par minute. On a ensuite pris en compte un rapport de 2 au niveau des engrenages qui nous donne une vitesse de 20, en sachant que cela représente un tour en 3 secondes et que un tour 1,80 m de trajet de lame, en sachant que la course de la lame est de 90 cm. On a ainsi une vitesse de la lame de 0,6 m par seconde. On peut donc faire P est égal à 2200 fois 0,6, ce qui nous donne